ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, lent à la colère, compatissant et riche en bonté. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de l'Éternel. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Oh, quel bonheur d'appartenir à celui qui a créé toutes choses. C'est un privilège pour nous d'appartenir à ce Dieu, le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Prosternez, nous t'adorons. Prosternez, nous t'adorons. Amen. Hosanna, Hosanna. Gloire et honneur à notre Dieu. Ooh.
Seigneur. Nous pouvons prendre nos places pour quelques instants seulement et nous allons continuer dans cette ambiance d'Hosanna. Alléluia, n'est-ce pas? Alléluia. Ouh, il est bon de louer l'Éternel. Ouh. Nous allons prendre rapidement quelques annonces. J'en ai quatre. Je vais aller rapidement. Comme vous l'avez constaté, déjà ce matin, quand vous entrez, il y a un centre qui est apprêté de l'autre côté, n'est-ce pas? Nous disons aujourd'hui, c'est « Connais ton Église », n'est-ce pas? Si je peux traduire ça ainsi, « Connais ton Église », n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et vous avez vu les tables qui sont apprêtées de l'autre côté. Et nous sommes en train de présenter tous les départements qu'il y a, tous les services qu'il y a au sein de notre église, n'est-ce pas, au sein de Green Pasture Church. Nous présentons les cellules de prière, n'est-ce pas, de notre église. Alors, sentez-vous libre d'aller et soit vous enregistrer, n'est-ce pas, et dans un des départements et puis peut-être dans une des cellules, n'est-ce pas, où vous allez continuer à œuvrer pour le Seigneur, n'est-ce pas. C'est très important. De toujours rester ensemble, unis, pour grandir dans la foi, dans sa foi chrétienne, n'est-ce pas? Donc, nous avons des cellules et puis les départements qui sont là. Allez-y et choisissez le département où vous voulez œuvrer, où vous voulez continuer l'œuvre du Seigneur. Alors, le vendredi saint, ça sera le 29 mars. Le 29 mars, et ça sera un service en ligne. Donc, nous vous prions, nous vous encourageons d'aller sur YouTube et ça sera aussi sur Facebook. La Pâque. La Pâque, n'est-ce pas? La Pâque, ça sera le 31 mars. Alléluia, ça sera le 31 mars. Ouh, et nous avons, comment on appelle ça, brunch? Déjeuner d'ensemble. À 10h, ça sera à 10h30. Alors, prière d'inviter les amis, d'inviter la famille, ça sera le 31 mars. Ouh, la conférence des dames. La conférence des dames approche à grands pas. Et c'est déjà au mois d'avril, du 11 au 13, où toutes les dames de l'église vont aller à leur conférence annuelle. Nous avons cette conférence chaque année. Et pour cette année, c'est au mois d'avril, du 11 au 13. Alors, nous vous accueillons encore. Alléluia. Soyez les bienvenus. Green Pasture Church vous accueille au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons offrir à notre Dieu. Le moment d'offrir à l'Éternel est arrivé. Alors, nous prenons un passage très rapidement. Le proverbe, nous allons lire le proverbe 3, verset 9 à 10. Et ce passage nous dit ceci, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Alléluia. « Honore l'Éternel avec tes biens, avec tes prémices. » Et le moment est venu où nous allons honorer notre Dieu avec nos offrandes, avec nos dîmes et faisons-le de tout cœur. Car l'Éternel aime celui qui donne. Avec joie, nous apportons nos offrandes à l'Éternel. Nous connaissons les moyens par lesquels nous donnons. Choisissez-vous le moyen le plus facile. Les moyens sont affichés sur l'écran, vous qui nous suivez en ligne. Et puis, nous qui sommes ici, nous avons aussi des enveloppes. Nous pouvons utiliser aussi des enveloppes. Nous allons prier. Ouh. Alléluia. Éternel Dieu, nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons t'exalter, Éternel. De tout cœur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre gloire. Pour tous tes bienfaits. Pour tous tes hauts faits. Toi qui viens aujourd'hui, tu entres dans nos vies. Ô Éternel, nous voulons t'accueillir. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons dans notre église. Nous t'accueillons dans nos familles. Alléluia, nous disons Hosanna, oh à celui qui vient. Viens dans nos familles, celui qui vient dans notre église, celui qui vient dans nos cœurs. Hosanna à toi, le roi de rois. Hosanna à toi, le Dieu puissant. Alléluia, nous t'accueillons ce matin. Et nous voulons présenter nos dîmes, nos offrandes à toi. Daigne les bénir, ô Éternel. Bénis la main qui donne, bénis aussi celle qui ne donne pas. Éternel, mets des témoignages dans nos vies. Nous voulons témoigner de toi, ô Éternel.
Nous voulons que nos vies témoignent de toi, de ta fidélité. Que nos vies témoignent, ô Éternel, à jamais de ton amour. Hosanna à celui qui vient dans nos vies. Hosanna à celui qui vient dans notre église. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel. Agrée ces offrandes et bénis nos familles. Bénis l'église. Bénis Pastor Church. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 21, du 1er au 11e verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent de branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète des prophètes, Jésus de Nazareth en Galilée. » Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Oh.
nous célébrons le Dieu vivant. Nous magnifions celui qui est digne de notre louange. Nous élevons le seul digne d'adoration. Nous bénissons le roi de gloire. Nous magnifions le roi éternel. Alléluia. Car il est glorieux. Il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, tu es digne de notre louange. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos cœurs. Nous t'admirons, Seigneur notre Dieu. Il est souverain et digne de nos louanges, et digne de notre adoration, et digne de nos célébrations. Il est souverain. Alléluia. Disons, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Disons, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, roi de gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons, roi éternel. Nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance, ton règne, ta majesté, ta gloire au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons élever le roi de gloire? Est-ce que nous pouvons célébrer le Dieu puissant? Est-ce que nous pouvons magnifier celui qui vit pour l'éternité? Est-ce que nous pouvons glorifier le roi éternel? Son nom, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le Dieu vivant, le Seigneur des seigneurs. Et alléluia. Et tu es souverain. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons et nous te célébrons. Nous te célébrons, nous t'élevons, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Seigneur. Seigneur, nous diminuons pour que toi tu puisses augmenter. Nous nous abaissons pour que toi tu sois élevé. Nous glorifions ton nom, Seigneur. L'agneau est souverain. Et Sakayaba, Matoyobo Shayaba, l'agneau de Dieu règne en ce lieu. Il est souverain. Il est souverain. Mantoyobosa. Mantoyobosa. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est puissant. Il est incomparable. L'agneau de Dieu est souverain. Endayaba Santoyobosa. L'agneau de Dieu est souverain et il règne au milieu de nous. Et il siège au milieu de nous. Et il est puissant au milieu de nous. Et il est présent au milieu de nous. Et il est vivant au milieu de nous. Et il règne en roi au milieu de nous. Et il règne en maître au milieu de nous. Il règne en seigneur au milieu de nous. Il est puissant au milieu de nous. Il fait des miracles au milieu de nous. Hey, yeah.
Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, ce matin, c'est une, ou bien cette journée, c'est une journée de louange et d'adoration. Alléluia. De célébration. Ah, de célébration. Que nous, notre équipe de louange se prépare à nous refaire la louange qu'ils ont fait tout à l'heure parce que je n'en avais pas assez. Alléluia. Parce que je n'en ai pas eu assez. Aujourd'hui, nous célébrons, n'est-ce pas, l'entrée triomphale de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans Jérusalem. Donnez-moi 5 minutes, asseyons-nous pour 5 minutes et je promets que notre louange va reprendre parce que ce dimanche, nous célébrons Jésus-Christ comme roi. Oh, alléluia! Nous célébrons Jésus-Christ comme roi. En ce jour, nous ne sommes pas venus pour simplement recevoir. Bien-aimés, personne ne peut venir dans la présence de Dieu et rentrer les mains vides. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu et rentrer tel qu'il est venu ou bien qu'elle est venue. Non, 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 il n'y a personne. Mais particulièrement ce dimanche, nous sommes venus donner. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Particulièrement en ce jour, nous sommes venus donner. Pourquoi? Parce que Dieu a fait tellement de choses pour nous. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, et je vais lire dans Jean au chapitre 12, et je vais lire le verset 12. Alléluia. Le verset 12 et peut-être 13, comme ça nous sommes dans le contexte. La Bible dit le lendemain, c'est le lendemain du jour où une femme a tellement été éblouie par la bonté, la grandeur, la magnificence et l'amour de Jésus-Christ. Elle n'a pas compris comment une personne comme elle pouvait se faire remarquer par Jésus. Alléluia. C'est une femme qui ne savait pas quoi donner pour la délivrance qu'elle a eue, pour la grâce qu'elle a eue, pour la rencontre avec le Messie qui a transformé sa vie. La Bible nous dit que cette femme est venue, n'est-ce pas, avec une boîte de parfum. Alléluia. Elle a répandu aux pieds de Jésus. Elle a essuyé avec ses cheveux. Je crois qu'elle n'en pouvait plus. Elle disait, même les mouchoirs, les essuies n'ont pas suffisamment de signification pour moi pour essuyer les pieds du Messie. Parce que ce qu'il a fait pour moi est trop grand, trop beau pour expliquer. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a fait pour nous. Bien-aimés, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, nous ne serons pas là où nous sommes. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, nous ne connaîtrions même pas le salut. La Bible nous dit qu'elle est venue, n'est-ce pas, en s'humiliant. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Je crois que les disciples sont encore perplexes. Mais ça, c'est quel genre d'adoration? Mais apparemment, Jésus-Christ a aimé ce que cette femme a fait. Oh bien-aimé, quel que soit ton genre de louange, tant que ça touche le cœur de Dieu, c'est tout ce qui importe. Alléluia. Quelle que soit ton expression d'amour envers Dieu, tant que ça touche Dieu, peut-être les gens ne vont pas comprendre quel genre de louange tu fais, quel genre de danse tu fais, quel genre de sacrifice tu fais. Ils ne savent pas d'où il t'a tiré, ils ne savent pas ce qu'il a fait pour toi. Bien-aimé, excusez-nous de temps en temps lorsque nous gesticulons comme des fous ou bien des folles. Nous savons que si ce n'était pas par la grâce de Dieu, nous ne serons pas là où nous sommes. Si ce n'était pas par l'intervention de Dieu, nous n'aurions même pas une voix pour parler. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, nous ne serons pas encore sur la terre des vivants. Alors de temps en temps, nous prenons nos cheveux, nous prenons ce qui nous est cher et nous essuyons les pieds du Messie pour exprimer notre reconnaissance. Bien-aimés, quelquefois les mots sont trop faible pour dire ce que nous voulons dire à l'Éternel des armées. Mais que ton cœur s'exprime devant Dieu. Je ne sais pas si dans la foule, le lendemain, il y a des gens qui ont entendu parler du fait que cette femme a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il fallait qu'eux aussi fassent quelque chose. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Il fallait que ils se sont rendus peut-être compte que qu'il fallait une réponse au miracle. Il fallait une réponse à l'action de Dieu. Il fallait une réponse à la main de Dieu. La Bible dit nous le lendemain. Jean 12, à partir de 12. Le lendemain, une foule nombreuse des gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Alléluia. Ils se rendaient à la fête. Mais pourquoi ils sont tous partis? Parce qu'ils ont entendu dire que Jésus est à Jérusalem. Alléluia. Ils ont eu la bonne nouvelle que Jésus est allé à Jérusalem. Prirent des branches des palmiers, allèrent au devant de lui en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Alléluia. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » J'aurais bien voulu qu'on ait du temps pour décortiquer toutes ces choses, mais par la grâce de Dieu, permettez-moi de vous dire, bien-aimé, qu'il y avait une réponse à la main de Dieu, à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu. Comme ils ne savaient pas, cette femme, elle a utilisé les cheveux. Et ils se sont dit, non, 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 nous allons enlever nos vêtements. Alléluia! Et nous allons les étaler devant. Et que le roi des rois puisse marcher dessus. Le Seigneur des seigneurs puisse entrer dans la gloire. Bien-aimé, Christ, il était le Dieu vivant. Il est la parole faite chair. Il pouvait venir sur un cheval blanc. Et je ne pense pas qu'il en manquait dans la contrée, ce que nous comprenons. Il pouvait venir, n'est-ce pas, rempli de gloire avec des chars ou bien je ne sais pas moi quoi. Mais il a choisi un ânon, la Bible nous dit. Quoique roi, Seigneur des seigneurs, il a choisi la voie de l'humilité pour entrer dans Jérusalem. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien-aimés, il y a des principes que le Seigneur établit. Si nous avons seulement une bonne compréhension de la parole de Dieu, nous avons une bonne compréhension des principes bibliques, nous allons voir la grandeur et l'élévation. Oh, alléluia! Bien-aimés, s'il était venu rempli de carrosses d'or et de chevaux, peut-être les yeux des gens allaient être braqués sur les chevaux blancs, sur les carrosses en or et toutes ces choses. Alléluia. Mais il s'est rassuré, bien-aimé, qu'il a utilisé le moyen le plus humble pour voyager, pour que les yeux des hommes soient fixés sur Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses qui nous entourent ne sont rien comparées à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Aujourd'hui, dans l'Église, nous sommes éblouis par les fanfares, par les théâtres, par des choses inutiles, et nos yeux ne sont plus fixés sur Jésus-Christ. Bien-aimés, le temps que nous puissions passer dans la présence de Dieu est venu où nos yeux ne sont pas fixés sur toutes les choses qui nous entourent, sur les formes ou bien les apparences, mais que nos yeux soit fixé sur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, l'auteur et celui qui finit, n'est-ce pas, notre foi. Nous sommes justifiés par la grâce en Jésus-Christ. Nous sommes vivants parce que Christ a fait le choix de venir, bien-aimé, vers nous. Il est allé entrer dans Jérusalem. Et bien-aimé, cette entrée triomphale a commencé ce que nous appelons la passion du Christ. C'est-à-dire, c'était la démarche vers la mort. Il savait qu'en entrant à Jérusalem, malgré les acclamations des gens, ce sont ces mêmes gens-là qui vont dire Hosanna aujourd'hui et demain crucifiez-le. Mais il est quand même entré parce que son amour pour toi, c'est plus que le mouvement de la foule, c'est plus que le mouvement des gens, parce que sa grâce pour toi, c'est plus grand que les opinions des gens. Il s'en fout qu'on l'acclame aujourd'hui et qu'on le crucifie demain. Ta vie est trop importante pour faire attention à
ces choses. Je prie, bien-aimé, que les enfants de Dieu, que nous puissions encore une fois braquer nos yeux sur Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Les gens ont chanté Hosanna. Ils ont jeté, n'est-ce pas, des vêtements ou bien des choses par terre pour que Jésus-Christ puisse marcher. La Bible dit qu'ils ont pris des branches, n'est-ce pas, pour célébrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelquefois notre louange et notre attitude n'est pas digne de la louange que nous devons à notre Dieu. Je comprends que tu le loues dans ton cœur. Je comprends que tu l'aimes dans ton cœur. Mais bien-aimé, il doit y avoir une manifestation de ta gratitude envers Dieu. Il doit y avoir une manifestation de ton amour pour Dieu. Il doit y avoir une réponse manifeste pour ce que le Seigneur a fait pour toi. Bien-aimé, je ne sais pas qui était dans la foule, mais s'ils ont entendu parler de Jésus et ils sont venus en courant, peut-être parmi eux, il y avait des gens qui étaient lépreux, qui sont maintenant guéris. Il y avait peut-être des gens qui étaient aveugles, maintenant ils voient. Il y a peut-être des gens dont leurs enfants étaient possédés et ils sont guéris. Il y a peut-être des gens qui ont vu leurs voisins transformés. Ils veulent aussi voir ce Jésus. Bien-aimé, il doit y avoir une réponse à ta louange. La louange est une réponse. Je veux le dire encore. Notre louange est une réponse. Une réponse à quoi? Une réponse à tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il va faire. Bien-aimés, ces gens ne savaient pas qu'ils étaient en train de célébrer celui qui va dans quelques jours mourir pour eux. Mais nous, il est déjà mort pour nous. Nous devons louer plus qu'eux. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pour nous, il est déjà venu. Nous devons célébrer plus qu'eux. Pour nous, il a déjà tout sacrifié. Nous devons adorer plus qu'eux. Pour nous, il a déjà ouvert le ciel. Il a déjà cassé la malédiction de la mort. Il a déjà condamné ton péché. Il t'a déjà délivré des sorciers de ta famille. Il a déjà déclaré la vie éternelle. Il t'a déjà rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, ne laisse pas les gens de Jérusalem prier, adorer, célébrer Dieu plus que toi, parce que toi déjà tu as la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons simplement louer Dieu. Pour notre équipe de louanges, nous allons adorer encore ou bien célébrer Dieu. Ah, vous allez peut-être dire, ah, c'est la religiosité. Mes parents sont nés catholiques. Et avant que nous puissions nous convertir, si je peux le dire, ou bien être nés de nouveau, alléluia, nous avons été catholiques. Et il y a des choses que lorsque nous devenons libres, entre guillemets, dans le pentecôtisme, nous oublions certaines petites choses critiques et importantes. Je ne dis pas que les palmiers vont changer quelque chose. Mais il y a moyen de célébrer. Alléluia. Il y a moyen d'honorer Dieu. Je me rappelle que les parents allaient faire des achats pour le dimanche des rameaux. Alléluia. Ils vont aller acheter des branches de palmiers et ils donnent à chaque enfant. Et ce matin-là, nous allons tous nous rendre à l'église. Et pendant la louange, peut-être la louange n'était pas aussi vibrante que la louange de Green Pasture Church, mais il y avait l'atmosphère de fête. Il y avait l'atmosphère de célébration. Et les branches étaient en train d'aller de gauche à droite, devant, derrière. On criait, c'est-à-dire que ce jour-là, même l'église, même le prêtre, dans ses chansons, ou bien en chantant l'évangile, il chantait avec une autre expression, parce qu'on avait créer l'atmosphère de gloire. Bien-aimé, ne laisse pas les gens, n'est-ce pas, te distraire. S'ils font un mouchoir pour louer ton Dieu, prends le mouchoir pour louer ton Dieu. S'ils te font un palmier pour exprimer sa grandeur, prends un morceau de palmier pour exprimer sa grandeur. De temps en temps, il est bon que nous puissions dire, il est fidèle au
faisons-le pour Jésus. Hosanna, alléluia. Pour terminer le culte, vous pouvez chanter jusque demain matin si vous voulez. Alléluia. Élevons nos voix et bénissons Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Roi de gloire. Nous reconnaissons que toi seul es Dieu et toi seul es Seigneur. Mon Dieu, mon Roi, nous n'avons pas suffisamment de mots pour dire combien bon et fidèle tu es, Seigneur. Tu as été bon envers nous, Seigneur. Et avec gratitude, Seigneur notre Dieu, nous venons te rendre notre louange et notre adoration. Accepte notre louange, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur éternelle des armées. Et ta parole nous dit, et notre Dieu, selon le témoignage de Paul et Silas, lorsque tu es loué, lorsque tu es glorifié, lorsque tu es élevé, Seigneur, les murs des prisons tombent. Seigneur, mon Dieu, les miracles arrivent. Alors manifeste-toi, Seigneur, notre Dieu. Manifeste-toi, Dieu puissant. Libère, fortifie, guéris, manifeste-toi, pourvois, glorifie ton nom au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, symboliquement, comme l'entrée triomphale dans Jérusalem,
Fais ton entrée dans nos maisons, dans nos cœurs, Seigneur. Enlève et chamboule tout ce qui est de l'ennemi éternel des armées et restaure l'ordre, la paix, la joie, l'harmonie, la grâce, la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec nous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Passez une excellente journée, une semaine de grâce et de bénédiction. Nous avons oublié de prendre nos offrandes? Ah, ok, c'est bon. Il y a tout un arrangement là-bas. Nous allons nous diriger là pour apprendre un peu plus sur l'Église, sur les cellules de prière, sur, n'est-ce pas, les ministères où vous pouvez être volontaire. Et voici toutes ces choses. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous tous nous retrouvons là-bas et nous pouvons faire tous nos embrassades et les comment vous allez de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Aussi, je veux chanter pour Jésus. Nous avons trouvé deux money orders. Si quelqu'un avait... deux money holders qu'ils ont perdu ici de Western Union. Voyez le frère Christian.